Je suis parti donc au Pérou. Donc les choix du terrain étaient faits, étaient établis. Donc c'était le Candoche. Ça me paraissait une bonne idée. Hein. C'était un groupe qui n'avait fait pas objet dans le terrain, enfin en tout cas une monographie. Et puis, mais la question qui s'est posée, c'était savoir vraiment si le Candoche existait en tant que tel, comme encore une entité culturelle, politique. Et donc j'ai demandé des financements pour partir sur le terrain, la première fois, un premier petit séjour de programmé de 3 mois. C'était l'été d'ici, le Parisien, de 91. Et donc je suis parti. Et la première chose que je suis parti comme ça, en fait, sans je me suis beaucoup intéressé à savoir, à chercher la littérature sur les Candoches, etc., mais très peu sur la situation du pays en général. Et je suis arrivé en 1991 au Pérou, et c'était un pays qui était en train de vivre une période particulièrement sombre. De violence en fait, à cause de ce qu'on appelle les conflits internes entre les militaires, l'armée péruvienne et la guérilla de Sendero Luminoso, n'est-ce pas? Bon, c'est les conséquences, hein, on connaît les conséquences de ces conflits, bon, apparemment on compte 60 000 morts. Hein, en particulier des paysans qui se trouvaient entre deux feux, en fait. Et il n'y avait pas que Sendero Luminoso à l'époque, il y avait aussi un autre mouvement, c'était le MRTA, qu'on appelle, le Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, qui était plutôt castriste, alors que Sendero Luminoso était plutôt, enfin, était maoïste, en fait. Le MRTA était plutôt castriste, donc bon, c'était ses actions étaient de notre nature, je dirais, plus modérée, je ne sais pas si c'est le terme. Et je parle de l'MRTA parce que c'est surtout l'MRTA qui était à l'époque dans la région entourant les Candoches, dans la région où il y avait les voies d'accès pour aller chez les Candoches, parce que il faut dire, chez le Candoche, il n'y avait ni MRTA, ni Sendero, ni à peine présence. Enfin, à peine, il n'y avait même pas la présence ni de l'armée, ni de personne. Hein. C'était une région, comme j'allais découvrir tout de suite, assez isolée de toute influence de la société nationale péruvienne. Donc, ce qu'on m'avait conseillé, c'est de faire les trajets vers les Candoches par Iquitos, au lieu de, on pouvait y accéder de façon un peu plus directe par une autre, sa carte, c'est un peu difficile d'expliquer, mais disons que soit on va par jusqu'à Yurimaguas et de là on descend le Huallaga pour aller vers les Pastaza, là où ils habitent les Candoche. Soit on va par Iquitos et on remonte l'Amazone. Voilà. Donc il y a deux options. Et donc l'option Iquitos paraissait plus sûre, hein, parce que Iquitos, et on ne sait pas trop pourquoi, c'était un isolat dans la situation de violence qui vivait les pays, en fait. Il paraît, mais bon, ça c'est vraiment des choses, des rumeurs qui couraient à l'époque, qu'il y avait un pacte tacite entre les forces confrontées, isolées, enfin, à laisser Iquitos de côté, pour, comme une espèce de base arrière, pour sans violence, en fait. Et donc,
Grâce à Jean-Pierre Chaumet, qui avait une longue expérience de terrain au Pérou, j'ai reçu un certain nombre de conseils pour commencer mon terrain en Amazonie péruvienne. Et donc, il m'avait à l'époque donné quelques adresses d'anthropologues péruviens qui travaillaient au Pérou et qui vivaient à Iquitos pour trouver des relais en fait, d'informations. En fait, ce qui s'est passé ces premiers séjours, c'est que j'ai découvert l'importance à l'époque des organisations indigènes. Autochtones, hein, comme en espagnol on dit, indígenas, qui commençaient à être très importantes, très puissantes parmi les Amazoniens. En fait. Et donc, moi, je voulais travailler avec les organisations. Ça m'intéressait. Et ça m'intéressait parce que, ça je ne l'ai pas dit, mais à l'époque que j'étais à Barcelone comme étudiant, j'avais participé à différents... il y avait la commémoration du 5e centenaire, ce qu'on appelait la découverte de l'Amérique par l'Espagne. Et puis il y avait un mouvement contre la célébration de ces 5e centenaires. Et donc je me suis tout de suite, déjà comme étudiant, une conscience, j'avais participé avec des mouvements de support aux peuples autochtones en fait. Et donc j'ai très tôt eu ce contact et j'ai travaillé dans différentes organisations, mais avant de connaître l'Amérique. Hein. Et donc, quand je suis arrivé en Amérique, j'ai pensé tout de suite travailler, faire mon terrain avec, pas à côté, au centre, au contre, mais avec les organisations autochtones avec lesquelles je voulais en fait aussi contribuer, travailler à côté. Et donc, surprise en fait, c'est que. Ils étaient tellement puissants, ces organisations, que peut-être pas très bien conseillés par certains anthropologues qui travaillaient avec eux, etc., qu'on te demandait pas seulement de... On m'avait demandé à l'époque pas seulement de travailler dans l'organisation, mais que ma recherche se fasse aussi selon les critères de l'organisation, c'est-à-dire une recherche organique, on va dire. Et donc, avec aussi un certain nombre apparemment de restrictions concernant l'usage que je pouvais faire de ces recherches en termes de publication, etc. Enfin, bref, un programme assez contraignant que moi, personnellement, je n'étais pas intéressé d'aller jusque-là. C'est-à-dire, bien sûr, je voulais travailler avec les organisations autochtones, mais je voulais toujours garder mon sens critique et mon distance vis-à-vis de... Bon. Et donc, à Iquitos, j'ai contacté les bureaux de ces organisations, AIDESEP, s'appelait à l'époque, Association Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, donc qui était en pleine... à l'époque, pleine émergence, hein, et ils m'ont dit « Désolé, mais on ne va pas vous... Pas seulement on n'est pas... Disons, on n'accepte pas ce type de démarche, mais on va essayer plutôt de les difficultés, en fait. » Et donc, je me suis dit « ces voies-là que c'est le soutien de ces organisations pour mon travail était plus ou moins exclu, disons. Et puis, je me suis dit, je n'ai pas d'alternative, je ne connaissais pas. Je me suis retrouvé, en fait, sans d'autres pistes à suivre. Et donc, j'ai décidé quand même d'aller chez le camp de Chine. Donc, je me suis embarqué avec
une lancha, c'est une espèce de grand de bateau fluvial en fait, qui remontait 5 jours en fait l'Amazone jusqu'à un petit village qui s'appelle San Lorenzo del Maragnon, très important pour mon terrain. Et c'est à partir de ces villages qu'on devait préparer en fait l'expédition, si je peux me permettre d'employer ce terme, chez le Kandoshi qui était encore assez loin en fait. Hein. Donc j'arrive à San Lorenzo, et là jusqu'à San Lorenzo, donc c'est une bourgade en fait amazonienne tout petit à l'époque, c'était un endroit très intéressant parce que c'était sur les Maragnon, en fait sur l'Amazon. Et c'était le centre de réunion d'un ensemble de peuples en fait, autochtones qui habitent autour. Hein. Il y en a un certain nombre, des Awahun, des Kokama, des Chayawita, des Chawi, des Chapra, de Wampis, d'Ashuar, de Kandoshi, de Kichwa de Pastas. Enfin bref, c'était vraiment un centre interethnique. Un centre, disons, à l'origine, c'est un village colon, hein, c'était, mais bon, de façon, avec les temps, c'est devenu vraiment un centre où les organisations autochtones avaient un siège, etc. Et donc, bon, c'était important, surtout à San Lorenzo, d'avoir le soutien de ces organisations autochtones. Mais bon, je ne l'avais pas, je suis arrivé à San Lorenzo. J'ignorais qu'à San Lorenzo, à la différence d'Iquitos, la situation, enfin, on était plus près en fait de zones de conflit. Moi, j'ai ignoré, hein, enfin, à peu près. Et donc, j'arrive à San Lorenzo et j'essaye de trouver la façon d'aller chez le Kandoshi, c'est-à-dire de quelqu'un avec un moteur, un bateau, qui m'accompagne. Hein, c'est simple. Et donc, bon, bah, là, j'ai trouvé, en fait, je ne sais pas si à Iquitos on m'avait même conseillé, etc., d'aller voir les courriers de la paroisse de San Lorenzo, qui était, comme ça arrive souvent en Amérique latine, et en particulier au Pérou, en espagnol. Et donc, bon, là, j'ai sorti mon côté donc, hispanique pour lui demander s'il connaissait quelqu'un, s'il pouvait m'aider pour... Et donc, il m'a présenté les motoristes, c'est-à-dire qu'on appelle le navigateur, on va dire, le chauffeur, qu'il avait donc un moteur, une pirogue à monoxyle et tout. Et puis, il avait pas mal de compères, comme on dit, dans la zone Kandoshi, parce qu'il était aussi commerçant à une époque. Et donc, il allait dans la zone Kandoshi à vendre et acheter des produits, en fait. Et donc, grâce à ses compères, il pouvait donc m'accompagner, hein, et sans crainte, en fait. Et donc, bon, bah, très bien, j'avais... Mais les jours, quelques jours avant le départ, les missionnaires catholiques, donc les curés de la paroisse, en fait, je ne sais pas comment, les paroissiens, enfin, bref, il m'a dit, écoute, il faut que tu fasses attention parce que les Kandoshi sont en ce moment en train de faire une opération de reconquête du lac Rimachi. C'est un énorme lac de 100 km² au cœur du territoire Kandoshi qui avait été, on va dire, pris par... le ministère de la pêche, en fait, péruvien. Et il avait une base du ministère avec un gardien qui surveillait l'accès à ces lacs. Et ces gardiens-là, d'après les Kandoshi, fonctionnaires donc, du ministère, empêchaient les Kandoshi de pêcher dans des poissons, des paiches, c'est une énorme poisson qui est très valorisée, en particulier à Iquitos. Et par contre, il cédait en fait des droits de pêche à des bateaux de pêche plus ou moins industriels de la région. Et donc, le Kandoshi avait décidé d'inviter les fonctionnaires, comme ils le font, à partir, c'est-à-dire en les mettant sur un pirogue, dans le sens que
la courant fasse le reste. Et donc, en fait, pour cette opération, on avait réuni les Kandoshi de l'ensemble du territoire dans ces bases de ministères. Donc, ce n'était pas question que j'arrive d'un coup comme ça, dans ces situations. Et puis, les chauffeurs de la pirogue m'a dit, écoute, j'ai un compère qui habite dans un autre fleuve, en fait, donc éloigné un peu du lac en question. On peut aller le voir, et puis comme ça, tu vas connaître les Kandoshi. Et donc, c'est ça qu'on a fait. On est allé donc dans un autre... sans une carte, c'était difficile d'expliquer, mais bon, c'est juste une autre... notre affluent, on va dire, de la même rivière. Et donc, je suis allé, j'ai passé une petite période, mais bon, j'ai constaté en effet donc, que les Kandoshi ont déjà existé, qu'il y avait un territoire plus ou moins connu et qu'il plus ou moins maîtrisé, qu'il y avait une réalité en fait, et c'était pas juste un vestige de l'histoire de l'anthropologie, il existait, et que c'était possible de faire un terrain. Et donc, je passe des détails, hein, mais bon, c'est avec cette idée que je suis reparti, hein, de nouveau. Bon, il y a pas mal de vicissitudes, hein, mais bon, ça ne vaut peut-être pas la peine. Il faut dire que cette opération que les Kandoshi étaient en train de faire, de réappropriation du lac, je ne savais pas, mais a constitué un des grands moments de l'histoire de mouvements autochtones au Pérou. Hein, c'était une action. Et ce n'était pas une action réalisée comme ça à la va-vite pour les Kandoshi, mais c'était une action qui avait été faite et programmée et bien pensée stratégiquement par l'organisation dans son ensemble. Et c'était une réussite en plus. Et même, ils comptaient plus ou moins avec la tolérance de l'armée. Ils n'allaient pas. Ils avaient. Accorder en fait que les choses allaient se faire sans problème. Et c'était le cas. Hein. Et donc, du coup, les Kandoshi ont installé là où il y avait la base du ministère, un centre, une communauté, comme on dit, pour surveiller l'accès à ces lacs. Et toute la géopolitique, disons, de la région a changé. Parce que ces lacs, en effet, c'est une source de poissons très importante, en fait. Et donc, je suis donc rentré à Paris. Avant de rentrer à Paris, il restait quand même un souci. Tout le monde à qui j'avais parlé à l'époque disait que c'était une folie commencer un terrain dans un pays tel que le Pérou en ce moment. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, c'est le Kandoshi, il y avait. Tout était tranquille, mais à l'image, c'est difficile à imaginer comment c'était la situation. C'est-à-dire, toutes les semaines, ils bombardaient en fait les réseaux d'électricité et tout Lima. Lima, c'était une ville grande, hein, a tombé sans électricité pendant 2 jours. Tout le monde avait des moteurs, en fait, des équipes électrogènes pour la suite. Quand j'étais à Lima, donc j'ai passé pas mal de temps, en fait, tu entendais des explosions, en fait, des voitures bombes, en fait, qui faisaient tomber les vitres, en fait, des bâtiments. Tout le monde avait sous les fenêtres des adhésifs pour éviter que lorsque les vitres explosent. Bon, bref, la situation était terrible. Je me demandais franchement qu'est-ce que j'allais faire. Et puis tout le monde me disait, en effet, c'était absurde. Tu vas commencer, tu vas t'investir et dans quelques mois, il faudra que tu. Donc, c'est pas une bonne idée. Et j'ai pris sérieusement tous ces conseils que je.
donc donné sur place. Et puis, puisque j'étais à la mairie, j'ai profité pour dire, bon, bah, je vais chercher une alternative. Et puis, à ce moment-là, un peu aussi comme touriste, je suis allé à Cusco, et de Cusco à Bolivie, en fait, à La Paz. Et dans l'éventualité de trouver une alternative, bon, ce n'était pas facile de faire des voyages comme aujourd'hui. Hein, et donc, je devais vraiment rentrer à Paris avec... un plan B en fait. Et donc je suis allé voir Javier Albo, c'est un jésuite, missionnaire, mais grand linguiste et anthropologue aussi, qui était catalan. Qui connaissait très bien la réalité anthropologique pour voir s'il pouvait me conseiller. Et puis bon, il m'a donné quelques conseils. J'ai fait une petite prospection aussi dans la région. Mais bon, enfin, je suis rentré, hein, je suis allé voir donc Philippe Descola. Je lui ai dit, bon, bah, l'idée d'aller chez les Candoches était très bonne. Les Candoches, bon, c'est vraiment très intéressant. C'est une communauté, enfin, une population, un peuple autochtone, bon, bah, idéal pour l'anthropologie que je souhaite. Mais j'ai décidé de changer de pays. La situation ne le permet pas. Il me regarde comme ça, il me dit « Ah bon, mais attends, c'est le Candoche, il y a des guerrilleros, il y a de l'armée, etc. » Je lui dis « Ben non, bien sûr, enfin, c'est le Candoche, il n'y a pas tout ça. » Et ben alors, donc il m'a insisté. Et puis bon, voilà, puisqu'il m'a insisté, je me suis dit « Bon d'accord, ben, je vais retourner chez le Candoche. » Et puis voilà, donc la question c'était la prochaine fois, ça se fera, je vais faire tout ça bien en fait, tranquillement, sans être pressé. Et donc, parce que un peu, je pense que le résultat mitigé en fait de mon première entrée chez les Candoches était à cause aussi de la méconnaissance hein, de comment ça marche. Hein, c'est un jeu de piste, hein. il faut passer d'une main à une autre sans perdre la chaîne, sinon après c'est compliqué. Et donc je me suis dit, il faudra que je fasse d'abord, ça c'était mon plan, que j'aille dans une zone, Candoche, où il n'y a pas l'organisation, et faire un terrain, comme ça je vais commencer mon terrain chez le Candoche. Et en sachant que je peux toujours retourner là, si de nouveau l'organisation refuse mon entrée. Parce qu'il y avait, en gros, les Candoches sont divisés en deux parties, le grand fleuve, hein, le Nucuray et le Pastaza. Le Nucuray, il n'avait pas l'organisation, c'était une zone où il y avait, l'organisation n'avait pas arrivé. Et la zone du Pastaza, où l'organisation était très importante, où il habite, il y a aussi la plupart de la population Candoche. Donc c'était important d'y aller, mais pas nécessaire parce qu'il y avait. Donc je suis allé. Donc d'abord, j'ai essayé d'aller dans la zone Nucuray. La zone Nucuray, c'était une zone, une rivière en fait, une aire, qui avait en fait été. Contacté par la mission catholique. Je connaissais à Iquitos, j'avais fait connaissance d'un missionnaire catholique, Augustin en fait, qui était un promoteur de la culture, etc. Bon, il s'appelle Joaquín García. Et il m'avait dit, écoute, si tu veux aller chez les Candoches de Nucuray, moi je vais t'aider. Et il m'a fait une lettre pour la mission catholique dans la région de Nucuray, c'était des passionnistes, c'est une autre ordre religieux. Et eux, avec cette lettre, tu auras le soutien en fait de la mission, et puis tu pourras accéder au Nucuray sans problème. Et donc, tout ça dans un contexte encore de violence politique, hein, enfin militaire, donc tout ça, ça se faisait comme ça, de façon très, très... Et donc, il me donne la lettre, et puis je m'en vais donc, à Yurimaguas, pour la première fois, j'entre dans la zone de conflit, on va dire.
je vais voir les vicaires en fait, de l'évêque, qui était le contact de Joaquín García donc, à la région. Il me dit oui, j'étais celui qui a contacté les Kandoshi de Nukurai aux années 60. Et donc, si tu vas de ma part, tu n'auras aucun problème. En plus, je vais te donner les titres de territoire Kandoshi de la zone, parce qu'on était en train de faire cette démarche, et dans quelques jours, on aura les résultats du ministère de l'Agriculture, c'était. Et puis, tu vas arriver avec de ma part, tu vas donc donner ces titres et tu vas être bien reçu, en fait. Mais, en attendant, tu vas pas rester ici dans la capitale, là où on était, mais tu vas aller dans une ville plus tranquille, plus sûre, un village qui s'appelle Lagunas, et tu restes là. Et tu vas à l'arrivée à la paroisse de ces petits villages et tu dis que tu es logé dans l'hôtel et on va te faire arriver ces documents en fait. Et donc je suis parti et je me suis installé, donc j'arrive à la paroisse et je lui dis écoutez, j'attends donc votre... Donc, c'est de vicaire, en fait, ces éléments, ces documents. Je vais m'installer dans un hôtel ici, enfin, hôtel, c'est une façon de parler. Et puis, il m'a dit non, restez ici, vous logez dans l'église, en fait. Et bon, je dis plus, bah, d'accord. Et puis je me suis installé en attendant l'arrivée de ces célèbres documents. Je m'installe dans la paroisse en attendant ces documents, mais les jours passent, les documents n'arrivent pas. Et puis bon, j'étais en pension complète. Hein. Donc j'ai demandé au courrier qui s'occupait, au missionnaire, qui lui n'était pas, c'était un Mexicain en fait, parce que l'évocation, il paraît que l'évocation en Espagne pour la mission était en chute libre, donc ils avaient, donc la mission, dont l'évêque était en basque en fait, et la plupart des missionnaires étaient des Vasques, mais ils n'étaient pas assez nombreux pour tout le territoire de la mission. Et donc, ils recevaient le soutien d'autres congrégations, en fait. Et donc, ça c'était le Mexique. Et donc, j'attendais là. Et puis, je lui dis à ses pères que, bon, si je peux faire quelque chose, etc. Il me dit, oui, bien sûr, tu peux. Il peut s'associer à une brigade en fait, d'ouvriers pour retaper en fait, une église. Lagunas, c'est une ville, un village en fait, qui a plusieurs églises parce que les Huayara, c'est sur la rivière Huayara. Comme vous savez, les rivières à l'Amazonie font des méandres, donc c'est toujours dynamique. Là, c'était une ville, un village où la rivière s'éloignait de plus en plus. Donc, comme c'est un problème d'être loin de la rivière, il y avait donc plusieurs églises avec les siècles, j'allais dire, donc il allait à la poursuite de la rivière. Donc, bon, c'était une ancienne église qu'on devait donc refaire. Et puis, j'ai participé quelques jours à la peinture en fait de l'église. Et puis un jour donc le père me dit, est-ce que tu sais écrire? Et oui, oui. Et donc j'étais promu en fait et j'ai passé déjà au bureau où je faisais donc toute la bureaucratie ecclésiastiques, des mariages, des baptêmes et tout. Apparemment, j'étais pas mal de coups, tout le monde m'appelait père, parce que avec mon accent et tout, donc ça a été suspect d'être père et tout.
Et donc voilà, j'ai passé un mois presque en attendant ce célèbre document, où j'ai commencé déjà une carrière dans l'institution ecclésiastique qui pourrait plus donner. Et donc, bon, arrive finalement les courriers, et puis je décide de partir tout de suite. Et donc, c'est encore une fois les motoristes, la paroisse qui devait m'accompagner. Et donc, on a préparé l'essence et tout. Et puis, on a sorti de Lagunas, dans ce village, et on a remonté le Nucurai 6 jours, en fait. Le Nucurai, c'est une petite rivière, un affluent au nord du Marañón. Et qui, par chance, les eaux n'étaient pas à baisse, donc ça permettait la navigation. Mais au fur et à mesure qu'on remontait ces rivières, tous les voisins qui étaient plutôt de Cocama, ce n'est pas de Candoche, qui habitaient dans les bas du Nucurai, nous parlaient des horreurs de Candoche, comme ça arrive souvent entre peuples voisins, qu'on considère toujours les autres comme des sauvages, etc. Mais bon, apparemment, les motoristes, donc les chauffeurs, partageaient plus ou moins ces sentiments. Du coup, quand on est arrivé enfin chez les Kantoshi, donc 6 jours de remontée, en fait. Donc il m'a dit, bon, moi, bien sûr, je ne vais pas rester. Hein. Ça, c'était déjà acquis, de toute manière. Mais je ne savais pas qu'il ne voulait pas rester ni... Enfin, il est resté à peine 10 minutes, en fait. Donc, j'ai pris des bidons d'essence pour retourner. Et on a fait rendez-vous 2 mois plus tard, en fait. Et donc, il est reparti tout de suite. Ben, j'ai resté là, devant le regard surpris des Kandoshi. Parce que normalement, dans cet endroit où j'ai débarqué, il devait y avoir un Kandoshi qui avait été dans l'internat. En fait, catholique, et donc il parlait espagnol. Et c'était les fils du chef, de l'apu, comme on dit. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il n'était pas là. Et donc, avec les motoristes, etc., j'ai parlé avec les chefs, que lui était là. C'était un messie avec une parure de plume d'ara, magnifique. Et il m'a fait entendre que son fils arrivait un peu plus tard. Et donc, bon, elle a passé un moment comme ça, un peu se regardant, en disant bon. Et surtout lorsqu'il a vu que le motoriste, le bateau s'en allait. Donc, j'étais là pour. Et puis, bon, un peu plus tard est arrivé en effet donc, son fils avec lesquels donc je suis installé chez lui et donc j'ai commencé mon terrain avec son soutien et c'était une merveille de première période chez les Kandoshi donc ils ont été contents de recevoir les documents bon c'était très bien passé en fait et les rapports avec eux c'était magnifique bon ça serait difficile de résumer à quel point c'est exaltant en fait. C'est lorsque tout se passe bien, lorsqu'on avance, lorsqu'on participe à des activités, on voyage dans les petits recoins de la région où jamais peut-être d'autres sont arrivés. Et on voit vraiment la vie. Parfois, je n'ai pas des moments comme ça qu'on peut évoquer. On entendait une espèce comme de tremblement de terre. Et puis, j'entendais comme ça un bruit. Et tout d'un coup, tous les Kandoshi des maisons prennent des fusils, ils s'en vont en courant. Où est-ce qu'ils vont? En fait, ils entendaient un troupeau de pécari, de paca, en fait, qui passaient pas loin. D'aller la rencontrer, enfin bref, vraiment une vie, partager des moments de vie dans la nature de cette façon, c'était extraordinaire. Le problème, c'est que bon, les 2 mois sont passés, sont écoulés, les motoristes n'arrivaient pas en fait. Et donc, je lui ai dit, il faut bien rentrer parce que ça commence à faire. Et puis, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, hein. Tout ça, c'était.
Et donc, j'ai parlé avec les chefs, avec son fils, etc., la possibilité de le faire pour rentrer. Alors, ils disent, bon, nous avons un coquille, enfin un bateau, hein, monoxyle. Nous avons un moteur aussi, mais il ne marche pas. Donc, il y a des pièces qui manquent, etc. Ce qu'on va faire, c'est. Bon, on a l'essence, ça, par contre, on avait l'essence que j'avais amenée. On va s'embarquer, on va descendre hein, avec l'eau. Hein, sans... Et puis, on va récupérer des pièces à fur et à mesure parmi les voisins. Et donc, bon, on a commencé à descendre jour et nuit. Hein, on descendait comme ça, dans les méandres, les méandres. L'arrivée, là, il y avait une pièce, l'autre, une bougie, enfin, etc. Jusqu'à un jour, bon, bah, le moteur a commencé à tourner, en fait. Et puis, bon, bah, là, on est arrivé donc à Lagunas, hein, quelques jours plus tard. Et voilà, donc ça c'était la fin de mon premier séjour chez les Candoches. Et donc ça c'était voilà, justement vers Noël. Hein. Je suis arrivé en octobre à Pérou, ça c'était Noël. Et là je me suis dit, bon, là je vais partir à Iquitos, à Lima, et je vais organiser bien une entrée dans l'autre partie du territoire Candoshi, donc je vais bien aborder la question des organisations, mon rapport avec les organisations, tout ça. Et donc, dans la période que j'ai passée en Europe, entre le premier et le deuxième séjour en Amérique, je suis allé à l'Université autonome de Barcelone, dans l'université où j'avais fait mes études. Il avait à l'époque de professeur invité Rodrigo Montoya, c'est un professeur péruvien en fait, très connu au Pérou, très respecté, qui est un des seuls anthropologues qui soutenait de façon publique, parce qu'en plus il écrivait, il avait une colonne dans la République, un journal très important au Pérou. Donc c'était une personne publique et qui un personnage public et qui soutenait en fait les mouvements autochtones. Et donc je l'ai rencontré à Barcelone. Il m'a dit, écoute, si tu as des difficultés, etc., tu viens me voir et puis on va essayer de résoudre ça. Et donc je vais à Lima, j'ai le contact et Rodrigo Montoya m'accompagne au bureau donc de l'organisation à Lima en fait. Et puis, bon, bah, en fait, ce qui se passe souvent avec les organisations autochtones, c'est que c'est pas qu'ils ne souhaitent pas, en fait, les travaux des anthropologues, enfin, l'exercice, en fait, des anthropologues étrangers ou pas. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont méfiants vis-à-vis de notre vraie intention. Donc, en réalité, c'est peut-être moins une politique de principe au Pérou à l'époque que, voilà, bon, être sûr qu'ils ne vont pas regretter en fait, d'avoir permis l'entrée de quelqu'un. Et donc, avec le soutien de Rodrigo Montoya, c'était acquis que ça allait pas. Bon, c'était quelqu'un qui n'allait pas poser de problème, au contraire, que ça pouvait être utile. Et le bureau, le président de cette organisation, m'a fait une lettre de recommandation vis-à-vis des dirigeants régionaux. Donc, avec cette lettre, je suis retourné dans la région, donc à San Lorenzo de nouveau, à ce village. Et puis, j'ai demandé, enfin, j'allais voir donc, les dirigeants régionaux. Et il y en a donc fait un accord hein, selon lequel j'ai commencé à travailler comme assesseur, comme on dit, comme soutien de cette organisation à San Lorenzo. Et je pouvais partager ce travail avec des périodes, c'est le Candoshi, de terrain pour moi, en fait. Et donc, bon, je trouvais très bien l'accord. Et donc, voilà, je me suis vu tout de suite. On m'a donné un espace de travail dans les bureaux même du président régional. Parce que tout de suite, il m'a adopté. Il a dit, bon, je vais profiter de ses soutiens inespérés, parce qu'il n'y avait pas, disons, dans les bureaux, à Lima, il y a plein de conseillers, etc., mais pas dans les bureaux de San Lorenzo. Bon, bah, et puis, en effet, on a commencé un travail de collaboration, pour moi, très intéressant, parce que bon, bah, j'avais accès
à des informations que c'est impossible d'accéder si ce n'était pas dans ces conditions-là. Ils ont tout de suite commencé à me faire confiance. Ils ont vu que bon, bah, j'étais là pour d'autres choses que, en fait, que j'ai partagé, c'est les valeurs enfin, en politique. Etc. Et donc, j'ai commencé à travailler. Et puis, bon, bah, j'ai manié pas mal le langage bureaucratique en espagnol dans une région où l'analphabétisme est général, hein, donc bon, bah, même parmi des fonctionnaires régionaux, tout ça, donc c'est pas... Et donc, bon, bah, je faisais les choses rapidement, et donc j'étais une secrétaire assez efficace, on va dire, des gens, donc j'ai commencé à travailler, à faire des initiatives avec eux, etc. Et c'est une relation très forte s'établit avec ces dirigeants, qui étaient jeunes dirigeants à l'époque, et qu'à l'époque, on ne savait pas, je ne le savais pas non plus, il allait devenir président national en fait, de cette organisation, parce que c'était quelqu'un qui le méritait, était très tenace. Et donc, à mon jour donc, de travail, au bout de 3 mois, je pense, il me dit, comme les choses souvent ça arrive dans la région, il entre un groupe d'Indiens, comme beaucoup arrivaient de partout hein, dans la région. Et puis il me dit Alex, voilà, se te présente Sundi et Sanchez de Fai Kandoshi, ben tu t'en vas demain avec eux. Ah bon, d'accord, donc c'était le début en fait. Je suis parti avec eux en fait, demain. Et donc on m'a donné, avec l'autorisation cette fois-ci de l'organisation, je suis allé dans les cœurs, on va dire, du territoire Kandoshi. Donc en effet, on a traversé les lacs, hein, le lac Rimachi, et puis on est allé dans les rivières hein, qui débouchent sur les lacs, où habitent la plupart des gros de la population Kandoshi. Là, enfin, en parfaite autarcie, hein, là, c'est vraiment le cas. Hein, donc il y a ces filtres qui y a dans la bouche du lac Limachi, donc ils laissent passer ce qu'ils veulent. Hein, un contact très sélectif hein, qu'il faut. Donc quand tu traverses ce territoire, là c'est vraiment pays Kandoshi. De facto, en fait. République Kandoshi, comme je disais, comme eux ils disent. Hein, de fait. Et donc, c'est là où j'ai commencé la deuxième partie de mon terrain. Et c'est là finalement que j'ai décidé de rester. Hein, et donc, avec des entrées et des sorties, j'ai passé, et avec en combinant ces séjours sur les Kandoshi et des périodes à San Lorenzo, à travailler dans les bureaux de l'organisation. Donc j'ai passé deux ans et demi, en fait. Et puis j'ai pu revenir à beaucoup d'informations. Quelle information, en fait? Bon, bah, j'ai procédé de façon méthodique. Hein, donc, j'ai enregistré des mythes, des chants, tout ce qu'on fait de plus classique. Mais j'ai fait une autre chose qui était moins classique. Bien sûr, j'ai fait beaucoup d'entretiens informels, etc. Et j'ai fait aussi quelque chose qui était moins classique, on va dire. C'était à cause de la vie sur le Kandoshi. Sur le Kandoshi, il n'y a pas une stabilité, enfin tout est très mouvant, très tendu en fait. C'est des sociétés très guerrières hein, encore aujourd'hui. Et donc, on ne pouvait pas penser d'être installé quelque part comme ça, longtemps, sans que la tension apparaisse ou à faire. Et donc, bien sûr, toujours ça a suscité la jalousie de la part d'autres factions. Pourquoi c'est lui, il reste là et pas avec nous, etc. Combien il doit gagner d'argent à cause de ces étrangers. Enfin bref, tout ce type de rumeurs qui circulent. Hein. Et donc une bonne façon de baisser un peu la pression, c'était circuler en fait. Donc je me suis dit bon, je vais faire un peu de terrain. En tout cas maintenant, à ces périodes, au début de mon
au milieu de ma enquête, on va dire, je me suis imposé un peu d'itinéraire. Et en fait, j'ai fait un recensement généalogique et démographique en général de l'ensemble de la population candoche de façon très systématique. Ce qui m'a permis, une fois de retour, d'informatiser toutes ces données pour pouvoir faire une étude, on va dire, avec des supports informatiques de la parenté candoché. Et ça, c'était des données, je m'avais imposé en fait de faire la totalité de recensement de la globalité de candoché. J'ai fait à peu près, et donc j'avais recensé par maison en fait, chacun, tous les habitants, maison par maison en fait, de façon que ces données généalogiques pouvaient se croiser avec des données géographiques, on va dire, parce que c'est de tous les territoires candoshi. Il faut dire que le territoire candoshi, c'est quand même assez vaste, c'est 10 000 km², avec plein de, des accès par rivière très différentes, donc ça obligeait à faire des grands détours pour aller d'un côté à l'autre. Et donc voilà ce qui a été donc ce terrain. C'est dans le cadre, dans le contexte de ce terrain que j'ai commencé à trouver que je pouvais peut-être donner du sens. C'était pas encore très clair à moi. Mais que cette anthropologie de la nature humaine avec laquelle je suis allé, il pouvait peut-être trouver dans l'idée d'affectivité une façon de progresser, de se concrétiser, une façon de donner du sens à l'ensemble en fait des informations que j'ai relevées. C'était à mon retour en fait que j'ai vu un peu plus clair. C'était, comme je disais, quelques années plus tard, dans mon arrivée au Pérou. Et puis, ce retour a été fait de façon, soudaine, parce que quand j'étais en plein, au mieux moment de mon terrain, donc au deuxième année, c'était déjà la deuxième année, il y avait encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de données selon mon plan, selon les plans que j'avais, beaucoup de données à recueillir. Mais tout d'un coup, j'étais depuis 2 ans et demi soumis à la prophylaxis contre les paludismes, les deux types qu'il y avait à la région. Et j'étais déjà un peu fatigué de prendre tous les jours ces médicaments et je me suis relaxé, j'ai relaxé un peu. Et puis je me suis dit, si maintenant c'est tombé malade, ça ne serait pas un bon moment. Donc j'ai repris les traitements et peu de temps, quelques semaines après, j'ai commencé à me sentir mal en fait. Et donc j'ai attrapé le paludisme, la version compliquée du paludisme, c'est le falciparum, donc le paludisme. Et donc, du coup, j'étais obligé d'arrêter, en fait, mon terrain. Et je suis donc, je me suis installé à San Lorenzo, là où j'étais diagnostiqué, en effet, porteur de paludisme. Et donc, j'ai passé un mois, en fait, à me récupérer. Et puis, il m'est resté pas mal de temps. Peu de temps pour rentrer en fait, parce que j'avais proposé de rentrer à la fin de l'année 95. Et donc, j'ai profité jusqu'à presque les derniers jours avant que les billets, la date du billet de retour. J'ai acheté des billets d'un an à Aeroflot, c'est une compagnie qui a disparu maintenant, mais c'était la compagnie soviétique, c'était la seule qui permettait d'avoir un billet très bon marché, d'un an, ouvert un an en fait. Et faisait donc un itinéraire par différents pays, proches de l'Union soviétique à l'époque. Donc j'ai
jusqu'au dernier jour hein, que je pouvais être là. J'ai fait du terrain, c'est très, très investi. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, bon, il ne me reste pas de temps, je m'en vais. Je suis sorti de Telkandoshi, je suis arrivé à Iquitos, tout de suite à Lima, et une semaine et demie plus tard, je me retrouve à Paris, de nouveau, et pour commencer à rédiger donc, ma thèse.